aujourd'hui au GIS Essaouira. Je me rappelle la première fois quand on m'a invité à prendre part à cet agréable événement. 2019, il fait suite à deux années consécutives du Fashion Blogging Summit qui a pris ses débuts pour mettre en relation un peu le monde de la mode avec le monde digital. Aujourd'hui, avec l'évolution que connaît le digital, il était nécessaire d'évoluer vers un sommet, un Global Influenceur Summit 2019. Merci à vous tous d'être présents parmi nous. Et donc, sans trop tarder, on va commencer notre première partie. Une journée, bien sûr, qui va être assez chargée. Vous allez voir, il y aura trois panels différents. Il y aura des keynotes, il y aura des interventions et aussi des hommages. Des hommages envers des personnalités qui ont influencé un peu toute la société marocaine, que ce soit au niveau médiatique, culturel, artistique et autres. Sans trop tarder, je donne la parole à monsieur le gouverneur d'Essaouira, monsieur Adil El Malki, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Historique par rapport à beaucoup de gens qui sont entre nous. En 1992, il y avait une seule connexion au Maroc. Et on avait eu une table ronde, je me rappelle, pour dire c'est quoi Internet. Et maintenant, je suis très content qu'en 2019, ici à Essaouira, je suis devant un public qui est de plus de 6 millions de personnes. Donc j'ai vu un peu l'ensemble des influenceurs et ceux qui les suivent sont 6 millions de personnes. Donc je suis très content, donc face à moi, il y a 6 millions de personnes, c'est peut-être le plus grand public à qui j'ai déjà vu. Donc voilà une grande évolution depuis à peu près une trentaine d'années. Donc influenceur, blogueur, j'ai essayé de voir un peu ce que c'est. Moi, je viens un peu de la préhistoire, hein, de l'ère d'avant Internet. Moi, je me rappelle mes premiers blogs, c'était, j'écrivais dans un petit bouquin quand j'étais dans les classes prépa. Et j'avais un petit bouquin pour écrire, pour me rappeler des choses. Je ne sais pas si c'est toujours un blog, mais j'ai toujours ce petit bouquin là. Donc, peut-être que ça peut intéresser certaines personnes qui pourraient être. J'avais quelques followers là au niveau des classes prépa et se comptaient au bout des doigts. Voilà, donc maintenant c'est devenu un business. C'est très important, c'est un business. J'ai vu, il y a des milliards de dollars qui sont drainés par ce business, ce marketing digital, ce nouveau marketing. Je sais que beaucoup d'entre vous gagnent beaucoup d'argent, c'est très bien. Hein, c'est très bien payé et puis on est tout le temps en vacances. Ça change par rapport au métier de gouverneur où on travaille beaucoup. On a des followers, hein, ils ne sont pas nécessairement des gens toujours souriants. Mais voilà, donc ça change pas. Attitude, je vais dire. Moi, je ne suis pas en retard, hein, ne vous inquiétez pas. La création de la Médina d'Essaouira, c'est un projet important dont Sa Majesté est à l'initiative qui vise à réhabiliter même ses deux pieds dans son identité et ses valeurs. Donc, actuellement, ce n'est pas nécessairement une relation pécuniaire, mais parfois, on montre un peu au monde qu'est-ce que c'est l'expérience, qu'est-ce que c'est d'être marocain. Chers participants, bonjour et bienvenue à la troisième édition du GIS 2019. Je suis ravie de vous avoir aussi nombreux aujourd'hui et de vous compter parmi nos participants dans ce magnifique cadre de la ville d'Essaouira pour ce sommet international dédié à l'influence, le Global Influencer Summit. Il cumule des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés sur Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. Ils sont parfois connus. Ils sont parfois très connus parce qu'ils communiquent très bien leur savoir-faire, leur savoir-être ou leur savoir et principes sur des thèmes de la vie quotidienne. Ils règnent donc sur les réseaux sociaux. Leur avis compte énormément auprès de leur communauté. Les influenceurs, vous l'aurez compris, sont désormais incontournables aujourd'hui dans les stratégies de communication
dans tous les domaines du marketing d'influence. Toutefois, si le mot « influenceur » a fait son apparition récemment, le concept n'est pas pour autant nouveau. Preuve en est, les acteurs, les chanteurs, les sportifs qu'on voit dans des campagnes publicitaires, même si ce n'est pas leur métier d'origine, la création de partenariats avec des marques fait de ces célébrités des influenceurs, voire des ambassadeurs. C'est un sociologue américain, Paul Lazarsfeld, qui aurait développé le concept d'influence, d'influenceur en 1940. Il a mené une étude auprès d'un panel d'électeurs lorsqu'il y avait une campagne présidentielle. Son travail a abouti sur le résultat stupéfiant à l'époque et prouve que le vote n'est pas toujours un choix individuel. Les amis, la famille, tout l'entourage des individus suivis ont d'une manière ou d'une autre influencé dans leur prise de décision pour cette élection. Donc les leaders d'opinion sont ces personnes qui ont ce rôle intermédiaire. Donc les leaders d'opinion sont ainsi inspirés pour être les influenceurs et les leaders d'opinion de demain. Donc je souhaitais rendre un hommage à M. Azoulay, mais il est absent pour des raisons personnelles. Je rends un hommage aussi à Monsieur le Gouverneur qui m'a fait confiance et qui est présent aujourd'hui auprès de nous. Merci, Monsieur le Gouverneur. Je suis là, 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 je su